La session actuelle revêt une importance particulière, coïncidant avec le 20e anniversaire du CISA. Cette organisation joue un rôle clé dans la coordination et la coopération entre les services de renseignement et de sécurité à travers le continent africain. Distinguished heads of delegations and delegates. Distingués chefs de délégation et délégués, je suis honoré de vous recevoir à la 21e session ordinaire du panel des experts. Le thème de la 19e conférence CISA, une réflexion sur la conférence CISA 20 ans plus tard, met un accent non seulement sur l'importance de l'introspection, mais aussi sur le partage d'expériences et les challenges de sécurité sur le continent africain et au-delà. Durant cette session, les experts discuteront des défis contemporains en matière de sécurité en Afrique, incluant la lutte contre le terrorisme, la cybercriminalité et d'autres menaces transnationales. Ces discussions visent à renforcer les capacités des services de renseignement africains. Trop de lignes frontalières demeurent objet de tensions. Les théâtres de crise disséminés sur l'ensemble du continent témoignent du caractère nécessaire de nos offices dans l'écosystème sécuritaire de notre continent. Pour détecter, prévenir et anticiper sur les menaces, reste consubstantiel à la vocation de notre mission. Nous avons la commune responsabilité d'être à l'avant-garde de la sécurité et de la paix de notre continent. Fondé en 2004, le CISA travaille depuis lors à promouvoir la sécurité et la stabilité en Afrique. L'ouverture de cette session marque le début d'une série d'événements significatifs pour cette structure. Les résultats des délibérations de cette session sont attendus avec intérêt, car ils pourraient influencer les politiques de sécurité et de renseignement sur le continent.